Obi, no, Daddy Man! Hey, Doris, es-tu du Peppermint? Ok. Hey, je ne dois pas, j'en ai plein la sacoche! Bingo, si tu aimes jouer au bingo, si tu aimes jouer au bingo, t'as des mains! J'suis correct! Hé, misère, comment m'en faire me rendre au bingo à Star? Psst! Hé, maman, mais t'es bien là, toi! Bonjour, cher monsieur. Je suis un mestigris et j'ai le regret de vous annoncer que vous êtes tombé dans mon piège. C'est toi qui as fait tomber l'arbre pour bloquer la route? Ouais. Écoute-moi bien, ma petite face de crapaud. C'est pas parce que t'es petit pis t'es lettre que je te taperai pas dessus. Ça fait que tu vas tout de suite dégager la route, OK? Oh oh! Dernier moment, comme d'habitude. Ah, c'est Rosaline. Allô, maman? Laisse-moi deviner, t'as encore gagné au bingo? Ernest, t'as des drôles de petites pupilles, t'as arrêté mon de ta puce. Ils sont petits, ils sont lettres, pis ont l'air méchants. Maman? Maman? Ça va, professeur? Qu'est-ce qui s'est passé ici? D'étranges créatures semblent avoir enlevé Rosaline et tout le monde dans l'autobus! Pourquoi quelqu'un enlèverait des petits vieux? Je sens qu'on va le découvrir très bientôt. En tout cas, c'est bien le Peppermint de Rosaline! Les êtres trop fortes en plus! Ouh! Reste à l'affût, Benjamin. Nous n'avons aucune idée sur quoi nous allons tomber. Oh, professeur, c'est quoi ça? Vite, cachons-nous! Et ses amis sont tombés sous l'emprise des Mystigris. Des quoi? Les Mystigris sont une horde de mystérieuses petites créatures qui vivent profondément au fond des bois. J'ai jamais entendu parler d'eux autres. C'est parce qu'ils sont seulement actifs à tous les 25 ans. Lorsqu'ils se réveillent, ils sont affamés et très dangereux. Tout de suite, ils se mettent à parcourir la forêt à la recherche de nourriture! Ils mangent des humains? Non! Pire que ça! Ils les envoûtent avec leur cercle magique, les forcent à danser et absorbent leur énergie vitale! Jusqu'à ce qu'ils meurent d'épuisement! C'est vrai que leur musique est bonne!
Attention, Benjamin, ne passe pas en bouteille! Assaisis-toi, Benjamin! Ok, ok, du calme! Je trouve juste que c'est un bon beat, là, je pourrais goûter partout! Ah ben tant mieux, tu m'en fais peur! C'était juste pour être sûr! Oh mon Dieu, avez-vous une idée, professeur? Je pense pas qu'ils vont te faire encore bien longtemps. Oh, je crois que oui. Hey, c'était une bonne batch d'aller pareil, hein? Ouais, ouais. Ouais, il y en a un petit vieux, hein? Hey, lâche-moi, toi! Missy Gris, libérez ces pauvres personnes âgées sans défense, ou Benjamin va manger votre chef! Quoi? Hein? Prends une bouchée, Benjamin, prends une bouchée! Non! Benjamin, prends une bouchée! Ah, mon Dieu! Oh, aïe! Aïe, aïe, non! Calmez-vous, là! Premièrement, c'est pas lui le chef, c'est moi! Deuxièmement, il est hors de question qu'on laisse partir notre lunch! Ça fait 25 ans qu'on n'a pas bouffé, pis on n'a vraiment pas l'intention de se laisser mourir de faim! Ouais, c'est vrai, ça! Ça fait que si vous voulez manger le gros dog, ben moi, j'ai pas de problème avec ça! Mangez-le, il va en rester plus pour nous autres! Ouais, on s'en fout du gros dog! Hey, c'est vrai, ça! Mangez-le! Hein? Comment, les gars? C'est pas cool! Un instant, un instant, un instant! Ah! Vous êtes affamé? Ça tombe bien, car j'ai une proposition très alléchante pour combler votre estomac. Hein? Professeur! Mais qu'est-ce que vous faites? Ne t'inquiète pas, Benjamin. T'as juste à danser comme quand tu joues à ton jeu vidéo et tout va bien aller. Hein? Veux-tu une petite paperman? Ça va te donner un ticket. Non, merci. 1, 2, 3, 4! Oh boy! Rosaline, êtes-vous correct? Si je suis correct, ça doit faire 25 ans que j'ai pas eu du fun de même! Hey, c'est sûr qu'on revient tout de suite la semaine prochaine à la place d'aller au bingo! Si tu aimes danser dans le bois, tape des mains! Si tu aimes danser dans le bois, tape des mains!